Or, il va aller chercher, il se pose pas la question. C'est, il te cherche et après il se pose la question, c'était une bonne idée. Bon, on verra bien. Bon bref, on est reparti, on est parti dans cette finale de Winner Bracket. Les deux n'ont rien au perdu, aucun set pour l'instant. Le retour de Contenard contre le Falcon, qui n'a jamais quitté Toulouse, de Evolt. Qu'est-ce que ça va donner? On va bien voir. On va bien voir, et pour le moment, une petite avance de la part d'Evolt, très jolie nerf là, avec le confirm directement. Oula, c'est un peu... C'est un mix-up, t'inquiète. Oh, regarde, quoi, le bait est fou. Le bait est incroyable. Le bait est incroyable. Il est dans le futur, il est dans le futur de la méta. Bah oui, non mais les deux joueurs, c'est... Si je ne sais pas ce que tu vas faire, tu peux pas savoir ce que je vais faire en fait. Genre... Non, c'est trop smart en fait. Vous comprendrez. Vous comprendrez dans deux ans. Vous comprendrez dans 10 minutes quand ils auront perdu. Enfin bref, on est parti, je réponds. Okay. Et pour le moment, ouais, Evolt toujours en avantage, hein, mais bon. Nier qui n'est pas en reste. En fait, j'ai l'impression que Evolt a les phases, mais Nier gratte des pourcentages par-ci par-là. On l'a vu avec ce neutral. Ah ouais, ça avait manqué à quelques personnes, ça avait manqué à quelques personnes, je pense. Moi je le fais pas, mais lui. Oh, la spécial de Nier, hein. Le jab sur le shield, qu'est-ce que tu fais? Je punis ensuite. Ok, attention, les neutral B sur le ledge, ça peut partir très vite. Ok, on a pas tenté l'Ups Rouge, j'ai l'impression que c'était un jab, j'ai pas fait. Non, c'était un jab, c'est un jab. Oh, c'est un jab. Alors, une interaction qui est forte sur pas mal de persos, donc des persos qui n'ont pas des recovery TP ou en tout cas instant, tu peux trade et en gros, bah, le nerf de plante, il drag down. Du coup, tu te retrouves avec un petit coup qui t'envoie vers le bas et t'as perdu ton saut et en général, la stock. Et du coup, ouais, Evolt qui avait pris l'avantage pour le moment dans ce set, et comme tu l'as dit tout à l'heure, bah, s'il arrive pas à tuer la plante early, bah, ça commence à faire des dégâts, mine de rien. Là, la spot dodge qui est complètement catch par ce jab. Attention, est-ce qu'on va tenter le down air? Oui, malheureusement, on n'avait pas le timing, c'est difficile à très avoir. Beau back air, hein. Vraiment, Nier qui me disait qu'il utilise de plus en plus le back air maintenant, parce que en fait, c'est un disjoint de pente. Il a beau sortir tard, en réalité, bah, il fait mal, et même des space up sur le shield, et il fait très mal, et il fait surtout très peur dans cette situation. Ok, on a voulu avoir le smash sur la roll, on l'a pas eu, pas grave, on sera pas. Oh. 3-2, Yata Jed. C'était close, hein. C'était close, hein. Mais bien vu de la part de Yata. Oh, GG à Jed, merci de nous avoir fait le déplacement jusqu'à ici. Ouais, mais il sera là, Castagna, hein, d'ailleurs. Il sera là, Castagna, et on a hâte de le revoir. Enfin, et là, bref. Ça va tuer. Oh, ça tuera toujours pas. C'est un peu mal de plus. Mais... Ouais, hein, ça mange bien à la cantine, hein, mine de rien, Falcon. Attention, le mix-up au jab. On s'est pas laissé avoir du côté de Evolt cette fois. On a bien sauté, mais là. Dedans. On s'est couru dans le neutral B, c'est un peu dommage. Ouais, ça faut savoir aussi dans le jeu, plus vous en mangez, plus certains coups vont devenir des commits. Par exemple, Mystery m'avait expliqué quand j'étais allié que lui considérait les dash comme un commit. Parce que bah en fait certains persos quand ils sont en dash ils sont assez prévisibles ou bah si t'es pas Fox ou Pyramitra, enfin en tout cas Myatra, t'as un dash qui se laisse facilement avoir et qui couvre pas forcément la distance escomptée et ça reste un commit. Donc quand vous faites des belles dash dance c'est bien. Mais il faut le faire au bon endroit. Et pas dans le vide, là où il s'est fait un peu avoir sur sa deuxième stock. Et là, du coup, il se retrouve en un déficit de une stock complète avec 121%. J'avais pas vu, mais il y a un gros retard. Et Nier qui est très bien parti. Oh, très belle, très beau bait. Je crois que c'était fait exprès, hein, le crouch. Ouais. On a été de bait le dot B. On voit qu'il aime beaucoup crouch, Nier. Bon, là, Nier qui veut. Ah, là, ça tuera. Oh, ça tuera. Non, ça tuera pas, il a pas pummel. Okay, ça m'étonnait, je pense, parce qu'il était sur la top plateforme, donc je pense que ça tuait. Moi aussi, il a dû faire la réflexion également. Mais bon, et du coup, on se retrouve en. En désavantage sur cette top plateforme, heureusement le neutral B qui viendra tuer quand même. Et là, ça tue. Non, oh, c'est Stay pas c'est Il est trop là. Lourd ce gars là. Il a que là. Ok, belle. On a un peu. On a DI vers le. Enfin, DI. On s'est mis un peu dans le stage pour éviter de se prendre le downer de la part de Nier, qui c'était bien vu. Oh, et là, Upper. Pardon, je l'ai loqué. Il a pas fait un reverse, mais c'est pas grave, honnêtement. Là, il cherchait juste à avoir le kill. Très belle première game de Nier. Vraiment, là, c'est. En fait, je pense qu'il a joué sur la map qu'il préfère. On l'a bien vu, en fait, dès qu'il avait l'avantage, il jouait comme il voulait. Genre, il faisait ses Twee Drop, donc quand il se mettait sur la plateforme au-dessus. Là, et bah, pareil, en Ledge Trap, il arrivait tout le temps à faire ses Twee Delay pour avoir un Ledge Trap plutôt optimal. Moi, je pense vraiment que Nier, il est dans la zone et que la map l'a avantagé. Evolt s'y attendait pas. Et surtout, il a évolué en termes de mentalité, Nier. Ça se voit peut-être pas directement. Mais moi je l'ai vu dans ces games que j'ai vu un peu on stream et hors stream, il a un peu évolué et honnêtement, s'il arrive à rester sur ce momentum de positivité, il va faire très peur dans les breaks. C'est vrai que un des gros défauts de Nier jusqu'à présent c'était un peu justement son mental. Quand il avait un match-up pas forcément favorable, un match-up tuné par un match-up frustrant, il avait tendance à un peu tuner de vision, un peu laisser tomber. Un peu tilté, pas forcément jouer à son meilleur. Voilà, pas forcément jouer à son meilleur niveau. Mais bon, là on le voit très très informé, Evolt qui ouvre les hostilités directement avec un down
R, oh, R bon, oh, mais où elle est con. 59% de Nord représenté. C'est fou hein, les confirmes de plantes hein. Donc, les confirmes que va voir ce personnage quand il met un peu, quand je mets un peu d'investissement, c'est vraiment fou. Et là de nouveau hein, le neutral B en désavantage, oh, c'est ouais, extrêmement fort. Ignar qui a toutes les couvertures. Ah, Evol qui a vraiment du mal à se rappeler un peu, oh, des problèmes du match-up. Je trouve qu'il saute beaucoup trop, il grappe pas assez. Il saute beaucoup, j'ai l'impression, et surtout il commit pas mal. On l'a ouais, vu faire beaucoup de aerio in et de se faire reverse un peu par ce neutral B, cette patouille. Oui, qui... Voilà, oh, bien vu. Là, bien ça vu, commence à revenir pour Evol. On sera habitué au match-up. Aussi à Nyark, hein, qui est un spécimen qui est un joueur de plante particulier, hein, bien particulier. Attention, on va tenter d'assassiner de nouveau. Évidemment, qu'on va y aller. Évidemment. Enfin, ne pas risk reward 100% powers n'est pas Evol, en fait. Il y a un moment, il faut rester sur terre. Et là, on a vu de nouveau faire un aerial in, mais cette fois, on s'est pas laissé avoir du côté de Evol. Ok, bien vu. Ah, dommage, on n'avait pas le... Ouais, on n'avait pas le... la suite. On a tenté de voir extrême, mais ce n'est pas passé. Bon, on touche à beaucoup de boutons là quand même pour Revolt. On va peut-être se calmer un peu. Voilà, oh, c'est ici. On n'a pas été assez patient. Revolt qui est en mode bagarre, en mode tapé. Ah, mais les deux joueurs, là, il rit à plein dedans là. Ok, là on a une phase de l'extra par contre pour Nyark. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Ok, Evolt qui trouve direct, il trouve beaucoup de reverse, j'ai l'impression. Evolt, on a peut-être tendance à overextend du côté de Nyark. Voilà, dash attack qui lui a coûté très cher, hein. On est quand même à 50%. Non, attention, là, faut pas faire. Ça regrabe, ça regrabe. On pourra revenir, bien vu. On n'était pas assez. Là, il faut les jouer. Les jouer ou les shrap au moins. Dommage, heureusement. Joli air dodge-in pour récupérer le center stage et pas se laisser avoir sur. Sur cette tentative un peu ratée, Dash Guardé là par okay, exemple, on a le grab, on n'est pas assez haut pour cent pour tenter l'up throw, du coup on va juste remettre en désavantage offstage. Mais bon, Evolt avec ce très joli nerf qui viendra un peu calmer les ardeurs de nerf. Mais bon. Voilà, Dash Attack qui trouvera rien. Attention, deuxième Dash Attack qui coûte un peu cher à Nyark là. Qu'est-ce qu'on va avoir? Est-ce qu'on va avoir le grab, le upper? Peut-être un petit aussi hein, qui tue maintenant. Je pense qu'on va essayer de trouver le upper là pour Nyark. Non, bon, le attention, grab, okay, et là, le grab. Et c'est la up throw. Et malgré les stocks un peu early prises par Evolt, Nier qui se défend bien, seulement 72% d'encaisser du côté du joueur de plante. Et là, on avait le confirme, on l'a raté, non, c'est dommage. Ok, on peut peut-être aller plus loin. Attention au tech chase. Là, okay, on a rattrapé beaucoup de retard, on a seulement 30% de retard. Attention à pas se faire spike, c'est ce que veut Evolt. Oh, c'est pas passé loin. À quelques okay, frames. Le jab. Le jab qui va faire beaucoup de dégâts parce qu'on est au bord de la plateforme. Mais là, ce stade-là, je pense que... Oh, bien vu. Le dunky. Bien vu pour cacher l'air dodge-in. On n'a pas réussi à atteindre le ledge à temps du côté de Evolt. Et c'est 1-1 dans cette winner finale. Ouais. On a un 7. Evolt qui avait besoin du game pour se rappeler du phénomène qu'il avait en face. Clairement, ça se voit que là, il était beaucoup plus à l'aise. Beaucoup plus à l'aise, on l'a vu. Hein. Prendre les stoppers early, sa spécialité. Très bien vu ça. C'est pas passé loin. Hein. Je pense qu'on n'a pas assez profité du saut. En fait, il fait saut hier direct. Alors que s'il saute et qu'il attend un tout petit peu, je pense qu'il peut avoir une meilleure dodge. Là, il était un peu trop hâtif, mais bon. Qui est-on pour le juger? Il est en final winner. Bon, c'est ce qu'il fait, je pense. En tout cas, pour les trois quarts, il sait ce qu'il fait. je ne connais pas l'individu par cœur, mais je pense qu'il sait ce qu'il fait. Voilà, après, ouais. Ça arrive. Petite panic option, on a tenté un mix-up. Ça a été bien réceptionné de la part de Evolt. Réaction. On est parti du coup sur BF, pardon. Qu'est-ce que tu en penses du coup? Parce que c'est le counter pick de Nyark. Je sais pas du tout si c'est un bon stage pour plante ou pas. En fait, je pense qu'il va adorer dessus, c'est qu'il va pas avoir d'extend de combo sur la plateforme. Ouais. Du coup, ça va l'empêcher de se prendre 80 sur une loose de neutral. Et il va pouvoir juggle à l'infini. Et pour land, c'est chiant sur DF. T'as pas les plateformes pour land, ça peut être très relou. Tu peux facilement accumuler les pourcents. Mais par contre, il faut pas se faire un peu matrixer. Enfin, un peu zoné à l'infini. Oh, qu'est-ce que c'est? On applaudit. Même dire qu'il applaudit. Ok, on a tenté une read du coup. On a voulu rendre l'appareil du clip à son compère, malheureusement ce n'est pas passé. Et Evolt, il avait les pourcentages magiques. Evolt qui s'ouvre, qui s'offre une avance considérable dans ce set pour le moment. Non, Nier qui a essayé d'attendre le pion agressif, malheureusement il a rien eu. Et on s'est fait clipper, hein, clairement, là c'est le terme. Ok, attention, les petites phases à base de B. On peut pas revenir en in en fait, là c'est trop dangereux pour Nier. On va tout donner. Dommage, j'en ai pas le timing. Close, hein. Oh, joli drift pour éviter la pression infligée par cette plante piranha. Et là, Evolt qui
qui a l'air bien parti pour le moment. Oh, par contre, on s'est fait avoir par ce temps de B. On a essayé de spot dodge, mais c'était pas la solution optimale. Un shield aurait suffi. On aurait gagné à juste shield. Ok, on trouve Jab directement pour venir catch un peu cette tentative de punish sur le nerf qui est totalement. Safe. Non, mais c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? Attention, c'est un regard par contre. Heureusement qu'on a pas. Le perso est trop lourd. Voilà, il a ce bout de stage. Voilà. Mais là on n'a pas assez profité de DF hein, pour Nyark. On peut pas assez juggle, on peut pas assez mettre son jeu. En fait sur DF la map est quand même assez grande pour que le Falcon ne va pas le chercher tout de suite. Sauf que tomber en situation un peu bourdier. Ça passe parfois, on se dit c'est une option débile mais bon en mix-up. Ok, kill, double PR. Le saut. Et on attendait le saut évidemment. Allez savoir du côté. Là si on peut trouver kill maintenant c'est un comeback pour Nyark. D'ailleurs Bob the Plant hein voilà. Le Dombé qui touche de derrière, bah, pourquoi pas. Oh c'est même pas le Dombé, c'est juste Plant je pense là qui était un peu suspect. Bon, attention, la phase de lèche frappe du côté de Evol, ça pourrait finir là. C'est vrai le Baka. Voilà let's go la dash attack, j'adore ce move, il est trop beau, trop mignon. Oh non, ce smash un peu commit. On va aller, on va plonger un du côté de Evol, bien vu le Dombé. Ouais, le Dombé préventif. Et heureusement, cette dash attack pour Evol qui viendra lui permettre de reprendre l'avantage. Et là, on a tenté. Et c'est passé du côté de Evol. Mais quel joueur. Trop de Dombé, je pense, pour Nyark. Et ça sert un peu à rien, je pense. Là. Quel joueur, la réaction, le temps de réaction quand même. Il a vu Ruko. Aïe. Il s'est pas posé de question, il a juste. Double jump. Mais je vais lui mettre un nid dans les dents, ce gars. Regarde. Je vais lui mettre mon genou dans la bouche. Parfait. C'était genre le spacing, le timing. C'était magnifique. Cette plante se pavane trop, mais je vais lui mettre un genou Muay Thai. Dégueulasse. Non, vraiment. Le chier. Et du coup, Evol qui prend l'avantage dans ce set pour le moment 2-1 pour le joueur de chez Stelios Esports. Ouais, bah. Non, c'est vrai qu'il est plus TLS. L'ex TLS qui est en train de prendre l'avantage contre le joueur actuel TLS. Un peu de storytelling peut-être, je ne sais pas. En tout cas, c'est le joueur qui joue beaucoup, je connais, et là il se retrouve hein, après ses vacances d'hiver. Et là on est parti sur TC. Encore un choix de Nyark, hein, on verra bien ce que ça donne. Oh là là, le backer, bien tenté. Ça aurait pu être joli. Malheureusement, il n'en sera rien. Pour le moment, c'est quand même Nyark hein, qui a l'avantage sur cette game. Et pile au moment où j'essaye, il se prend en air. Évidemment, et là on met beaucoup de pression avec ce jab sur le shield. Oh oh oh. Oh. Nyark qui montre des mécaniques avec ses petits paris. Ouais, un sacré copieur, c'est moi qui fais ça d'habitude. Bref, ouais, faut les Royal Keys, vraiment mes deux corps. Et ouais, et pour l'instant, c'est relativement even en termes de pourcent. Et bon, oh voilà, très joli max throw. Oh, c'est pas passé loin. Oh le crackhead. Le crackhead de Ramonville, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ah, ça c'est. Ce mec là, vous le voyez à la dorade, à 5h du matin, un jeudi soir. Tu le croises au métro à 23h, tu fais ta peur. Ah lui, il est là, premier métro, pas dormi de la nuit, une seringue dans chaque bras. Le chauve de Ramonville. Le crackhead. Enfin bref. Bref, on va revenir à la game. Cela ne nous regarde pas. Enfin bref. Ouh, joli dans le B. Encore, il s'était beaucoup à voir hein, par Saivolt. Hop, sur sa tue. Qu'est-ce qu'on va voir le jeu. Ça ne tuera pas. Le strong jab et l'up to it dans l'œil. Très 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 bien vu. Ah celui-là il pique. Celui-là il fait. Oh très là mal. Ce run up smash, un classique. Il est signé Evolt. Classique Evolt. Oh, oh le tigre. Qu'est-ce qu'il fait quoi? Le disrespect. Pas trop la confiance. Oh, très beau trade. Neutral B. Très très fort en désavantage, j'ai l'impression ce neutral B. Ouais. On peut vraiment annuler des phases d'avantage, c'est très cool. Oh, attention, et les paris qui sont vraiment on point hein, du côté de Nyark. Ce mec aime trop les caméras je pense. pour les caméras. Ce mec vit trop pour les GoPro qu'il y a en face de lui je pense. Et surtout il a réussi à gratter 113% hein. Ouais, avec une stock d'avance et sur TC en plus qui est vraiment pas. Oh là là, oh, la tech. Mais il vit pour les webcams. Il a fait la tech. Il a fait le move. Oh, bien vu. Bien barricot de la part de Vot. Et là, c'est la mort. Ouais, bien vu. Mais bon, c'est tout de même 132% d'encaissé du côté du joueur de Captain Falcon. Et on est en phase de ledge trap. Heureusement, on arrivera à s'en sortir avec son air. On est sur Captain Falcon. Hein, sur une très bonne phase, on revient dans la game. Qui ça? Sur ce. Oh, je pensais que c'était un. C'est la mort. Mais c'est qui ce mec? Sur une phase. Il est à 130%. Mais qui est ce gars? Il avait 130% de retard. Il trouve une phase, il tue. Quel monstre! Qu'est-ce que c'était que ça? Je veux pas jouer contre ce gars en fait, genre.
Pourquoi il est sur TC? Pourquoi il est là? Le mec fait trop peur. Ok, okay, le Bakar qui tuera. Mais bon, là on est complètement even et c'est peut-être la dernière stock de Nyark. Il apprend pas ses erreurs. Il fait Karchak à 30%, il revient sur la plateforme. Potentiellement la dernière stock de Nyark dans cette winner finale. Ok, le smash n'est pas punissable. Et oui, bien space, c'est pas punissable. Tech chez nouveau, on a vu que les bots ils faisaient beaucoup de take out. Ok, le grab, il va l'envoyer dehors. 104%, peut-être, on va aller chercher quelque chose. Oh, allez, le jab. Qu'est-ce qu'on va attendre? On va la punir, on va. On aura pas la tech chase, mais on reprendra le terrain. Petit crouch pour faire joli. On le voit, Nyark très patient, hein. Il gratte des pourcentages petit à petit. Mais là, ça peut faire très mal, ça peut partir de là. Oh, dommage, joli, joli désavantage de la part du Nyark. On arrive à s'extirper de cette phase d'avantage de la part de Evot. Et là, on a l'avantage de ciel. Qu'est-ce qu'on va trouver? C'est dommage. C'est des attaques. Ok, on l'envoie dehors. Il est très très mal. Le light tui. Le light frappe, c'est le moment dangereux. C'est le moment dangereux contre plante. Faut réussir à tuer. Bien vu. Satura. On est à 2-2. Satura 2-2 dans ce set. On a un très beau set. Offert par les deux joueurs. Avec des clips. Mais Evolt va passer sur. Evolt, depuis le début. Best of Evolt, 2 heures. Il va durer 2 heures son best of. Depuis le début du tournoi, il a fait 4 clips de la semaine. C'est... Il va durer 2 heures et les clips ils vont durer 10 secondes. C'est ça le pire. Oh là là. Oh là 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 là. Ouais, comme le dit le public, hein. Comme le dit le public. S-H-E-E-S-H. Arrête de te faire reverse comme un clown. Oh là là, enlève ton nez rouge là. Oh, le coaching mid-set là. Ah bah là le coaching, je vais vraiment dit tout dit quoi. Genre, ah, okay. Arrête de t'incliner. Arrête de perdre et gagne. Allez, get good. Get good, get good, beau coaching, voilà. Oh là là. Bon, arrête, du coup, arrête game de 5. Perdre et normalement tu gagnes. Ouais, et ouais, game 5, alors quel. On va passer sur quel. Déjà, on met une bonne musique. Ouais, on met la bonne musique. Alors. Sur quel terrain? Et j'ai l'impression que c'est destination finale. OMG, mis en péril, OMG. C'est assez étonnant de la part de Evolt. Ultime, on est sur DF, mis en péril, Evolt contre Pognark. Deux-deux. On va s'éclater. Si vous êtes là, vous allez passer un bon moment, c'est sûr. Le petit 2-2. Et ouais, étonnant, je trouve, de la part de Evolt. Alors, certes, il a gagné dessus tout à l'heure. D'ailleurs, normalement, il a pas le droit. Oh ouais, ouais, on dash grab direct, nature. Pas de sauce, que du sexe. Bref, on va repartir. Repartir dans le match directement. Ok, on a une match très agressive de Evolt avec petit avantage pour Evolt pour l'instant, en espérant pas le curse. Qu'est-ce qu'il fait? Mais que fait-il? Pourquoi il est en train de faire Nyark cooking? What is he cooking? Bon, et pour l'instant, léger avantage de la part de Evolt, hein, 57% de gratter directement. On voit Nyark qui aime beaucoup le poison dans ce match-up, j'ai l'impression. Et là, Evolt qui saute beaucoup, lui par contre, hein. On va trouver ce. Oh là là, ce point incandescent. Double upper, attention, on a plus de saut, j'ai l'impression, pour la part de Nyark. On n'a pas voulu aller offstage pour Evolt, on a tenté de tout frame à base de dans l'air. Et là, on a le nid dans la main hors spot. C'est terrible. On souffle très fort. Ok, on va se double saut. Oh, ah, oui. Joli, on veut catch. on veut trop spot dodge. On est d'accord, je suis d'accord qu'il y a un gros reward, mais on perd un peu trop ses interactions. Et c'est dommage, parce que là il perd quasiment tout le terrain. Et une chance de kill, une occasion. C'est vrai, mais bon, on a quand même 159% de trouver avec ce jab. On est de nouveau en ledge trap pour Nyark. On tente ce dernier hein, tout frais, mais alors est-ce que c'est vraiment worse alors qu'il est à aussi haut pourcent? Et bon, on ira aller chez les hug, pour Nyark. Falcon Hug. Il y avait 69%, on peut pas gagner. Hein. Non, oh non, attention, qu'est-ce que c'est que ça? On a envie de faire reverse. Ok, joli. Il a eu peur de prendre peur. Bon, c'est quand même 56% hein, de trouver, de gratter, parce que là, Evolt son job. C'est mal parti pour Nyark. On aurait pu avoir un smash là en réalité, je pense. Ouais, son job là pour le moment, c'est de gratter un maximum de pourcentage. C'est chose faite pour le moment. Oh, 72% de trouver. Le Donner Assassin qui a failli partir. 93%. Quand on met tous les deux des jabs dans le vide comme ça, on se dit on se check. Attention, est-ce que ça passera cette fois? Non, trop tard. On a une stock entière de retard pour Nyark. C'est trop compliqué. Comment on revient de ça? Est-ce qu'on va aller chercher offstage ou on va encore tenter le Donner? Je pense que. Non! De nouveau! Alors là, va falloir un très gros boulot pour Nyark. Malheureusement, on n'est qu'une petite plante. Contre le gros Capitaine Faucon, peut-être la dernière stock dans cette winner finale de Nyark. On peut pas tech ça, on peut pas tech ça. Ça ne tech pas, mais ça ne suffira pas à tuer. Bon, attention. Ok, comme ça, quand il y a un retard, est-ce que c'est faisable pour Nyark avec son tag Nyark Mogus?
Dark Mongoose, tout. Bref, on trouve up tilt, pardon, mais ouais. Non, ça ne touchera pas au commit avec cette dash attaque et du coup on se prend la face de Evolve. Dommage, le side B qui ne connecte pas, ça aurait pu être. C'était très beau. On aurait peut-être pu connecter ce side B dans un nid. On a pu un petit rajouter un clip. Oh, il a sauté dedans. Il a faim. C'est la fin et c'est la grande finale côté winner qui s'offre à Evolve. Très 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 bien vu. On est à un set d'une potentielle. Un set potentielle victoire de Evolve dans cette weekly. Et on l'a pas notifié quand on castait, mais Yata a gagné contre Jett 3-2. Oui. Et du coup, ça fait qu'on va avoir un. On va avoir un. Merde. Achama Yata. Et donc, le dernier représentant bordelais contre. L'habituel gagnant des Stock O'Clock. C'est ça. Alors, est-ce que je vais laisser la place à Twin? Il a l'air de.